Je m'appelle Louis Giard, j'ai 24 ans, je suis originaire de la Trinité-sur-Mer, je fais de la planche à voile olympique. Je suis membre de l'équipe de France depuis 2013, je suis devenu champion d'Europe cette année en 2017 et ma meilleure performance sur un championnat du monde, c'est une 5e place en 2016. Je fais de la planche à voile olympique, donc ça s'appelle une RSX. Une compétition, ça dure environ 4 ou 5 jours. On fait généralement 3 courses par jour. C'est le compétiteur qui marque le moins de points à la fin de la semaine qui remporte la compétition. Donc j'ai commencé par l'optimiste ici à la Trinité-sur-Mer et ensuite j'ai été faire de la planche à voile au Yacht Club de Carnac. Et tout de suite, au bout de 2-3 ans, j'ai réussi à devenir champion de France chez les cadets. Donc ce bon résultat m'a vraiment motivé à essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc je me suis dirigé vers le Pôle France à Brest, où je faisais des études en parallèle. Et voilà, grâce à ça, j'ai intégré l'équipe de France en 2013. Et je fais d'abord une séance de sport, soit au minimum 1h30 de vélo, une séance en salle, donc un petit peu plus basée sur du gainage, des abdos ou de la musculation. Ensuite, l'après-midi, on va sur l'eau, donc en fonction des conditions, c'est une séance qui dure de 1h30 à 3h. Donc je pratique ce sport parce que bon déjà je suis fan de la mer, donc j'adore évoluer dans cet environnement-là. En plus, j'ai trouvé dans la planche à voile un aspect physique que j'aime beaucoup. Je suis passionné de vélo et de beaucoup de sport, donc la planche à voile, voilà, ça passe forcément par une préparation physique qui est très poussée. J'aime le goût de l'effort, j'aime faire du sport, donc voilà, c'est une pratique qui se limite pas qu'à la planche à voile, c'est vraiment quelque chose qui est assez large. Donc je souhaite intégrer le team Michelin parce que bah déjà c'est une chance et c'est une chance pour moi dans ma carrière. Ensuite j'aime bien partager, donc je suis content de pouvoir rencontrer les salariés du site Michelin à Vannes, voilà, leur présenter mon parcours et puis voilà ce qu'ils font également dans l'usine à Vannes et découvrir le parcours des différents salariés. Je trouve que c'est épanouissant d'avoir cet aspect de partage dans ma discipline. Mes objectifs en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, c'est tout d'abord de réaliser un podium mondial. Comme je le disais tout à l'heure, je suis champion d'Europe, mais ma meilleure performance sur un championnat du monde, c'est une 5e place. Donc j'ai vraiment le souhait de monter sur la boîte dans les années à venir. Donc ce qui est bien dans le team Michelin, c'est qu'il se compose de vraiment beaucoup d'athlètes, beaucoup de sports différents. Intégrer le team Michelin, c'est une chance parce que ça va beaucoup m'aider dans ma carrière vers le plus haut niveau. Donc je tiens à remercier le directeur et tous les salariés du site Michelin de Vannes d'avoir retenu ma candidature. Donc maintenant, c'est parti, on part à leur rencontre.